Ça représente l'aboutissement de tout le travail d'une année où on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes pour produire les meilleurs raisins possibles. Et effectivement, ouais, c'est la découverte aussi du potentiel des vins futurs, déjà par la qualité des raisins en les goûtant. Ça va pas être bien, ça va être excellent. On a la chance d'avoir du soleil, une météo favorable et tout à fait exceptionnelle, hein, et pour la semaine, la météo est annoncée comme ça, aussi jolie. Donc les raisins vont être magnifiques, et mûrir et finir de mûrir, et ils ont aussi mûri la semaine dernière très rapidement. Nous avons 15 personnes aujourd'hui dans les vignes, donc 12 personnes qui coupent le raisin, 3 personnes qui vont ramasser les paniers. Il y a 3 personnes au pressoir, donc ça fait 18 personnes, plus 2 personnes en cuisine. On est 20 aujourd'hui. En fait, c'est très fatigant au début. Et en fait, on s'habitue au bout du deuxième ou du troisième jour. Moi, je sais que l'année dernière, le premier jour, j'ai eu très très mal. Le deuxième jour, j'ai eu très mal. Le troisième jour, mal. Et puis après, ça va. Faut que ça soit homogène, des deux côtés. D'accord.